Au cours des prochains jours, vous entendrez des chefs d'entreprise de tous les secteurs, non seulement les entrepreneurs dans le domaine des technologies propres, mais aussi des PDG de sociétés forestières, énergétiques et ferroviaires. Vous entendrez des maires visionnaires de partout au Canada et du monde entier, et vous entendrez nos premiers ministres des provinces et des territoires, ces premiers ministres qui, pendant trop longtemps, ont dû travailler tout seuls, sans partenaire fédéral. Et je suis certain qu'il y a une chose sur laquelle ils sont tous d'accord. Tous ici conviennent, comme notre gouvernement d'ailleurs, qu'il n'est pas question de choisir entre une économie forte et un environnement sain. Ce n'est même pas un choix. Ce ne l'a jamais été. Le vrai choix, c'est d'où bien résister au changement ou bien de mener la charge pour ce changement. Pour les Canadiens, mes amis, c'est un choix facile à faire. Nous avons toujours compris que l'avenir appartient à ceux qui osent, qui travaillent fort, qui rêvent grand. Plus que ça, on a bâti un pays sur cette promesse, celle de créer des opportunités pour tous. Ici au Canada, au fil des ans, on a développé les ressources, le système d'éducation et le filet social nécessaires pour offrir à chacun une vraie chance de réussir. Mais aujourd'hui, un nouvel élément s'impose. Garder cette promesse nécessite maintenant la mise sur pied d'une économie plus forte, plus verte et plus durable. Simplement, travailler fort n'est plus assez. Il faut travailler intelligemment, de façon responsable.